Salut. Et tu bosses le samedi, toi aussi? Ouais. Dis donc, je suis désolé pour le chèque en retard du mois dernier, j'ai dû... Non, pas de soucis, c'est arrangé. Merci. Allez, bon week-end. Ouais, ça marche. À la prochaine. Giovanni? John Junior? Il y a quelqu'un? Franchement, ça vous amuse? John! Mais c'est quoi ce... Je vous demande pardon, les enfants. Allez dans vos chambres, s'il vous plaît. C'est rien, laissez-nous, les enfants. Désolé. Surprise. J'ai carrément aucune envie d'en parler. T'as conclu la vente, oui ou non? Non, ça n'a pas marché. J'ai sorti le grand jeu, mais au dernier moment, les clients se sont désistés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Bah, je vais remettre la maison sur le marché, puis ensuite, je vendrai la nôtre. T'en fais pas, on va s'en sortir. On s'en est toujours sorti jusque-là. Si tu le dis. Tu veux que je te dise, Joanie, ça m'arrangerait que... De quoi ? J'aimerais assez que tu puisses te mettre à ma place juste une minute, histoire de sentir la pression que je supporte. De voir ce que je dois subir tous les jours. Et ça résoudrait quoi ? Dis-moi. Je fais le maximum dans cette histoire, le maximum. Et si jamais ça suffit pas ? Je te dis que ça suffira. Je vais sortir avec les enfants. Chérie, on n'a pas les moyens. L'air est gratuit, John. C'est pas encore taxé. Je vais les emmener au parc. À plus tard. Allez, descendez, les enfants! On va au parc! Bon, j'arrive. C'est pourquoi ? Je m'appelle Ricky. Ma voiture a calé juste devant chez vous. Oh, pas de chance. Et quoi, vous voulez entrer pour appeler un dépanneur ? Eh ben, ça fait longtemps que les gens sont plus serviables comme ça, mais non, non. D'accord, mais alors... Vous croyez que vous pourriez me pousser ? Oui, oui, aucun souci. Belle journée, pas vrai ? Oui, très agréable. Des journées comme ça, ça vous ferait oublier toutes les misères du monde. On va dire ça. S'il reste deux ou trois gouttes dans le carburateur, ça devrait suffire avec un peu de chance. Il y a une station essence un peu plus bas. Franchement, vous devriez voir cette petite bombe en action. Il n'y a personne qui tient la distance. Bon, vous me dites quand vous êtes prêt, ok ? D'accord. Poussez de toutes vos forces. Ouais, dès que vous êtes prêt. C'est bon ? Non. Et là ? C'est bon, je suis prêt. Allez-y, poussez. Je fais de mon mieux. Donnez-moi 5 secondes. Allez, poussez plus fort. C'est mou pour un type costaud comme vous. Prévenez-moi quand c'est le moment. Vous êtes prêt ? Quand vous voulez. Relâchez l'embrayage. Allez, poussez plus fort. Vous attendez quoi exactement ? Poussez plus fort. Vous êtes prêt ? C'est bon, là. Relâchez l'embrayage. Et sans déconner, vous savez démarrer une voiture au moins ? Oh, oh, oh putain ! Bordel de merde ! Oh, 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 oh. Et réfléchir, ça vous arrive ? Il vous manque quelques petites règles élémentaires de savoir-vivre. Non, vraiment ? Ouais ! Vous m'avez niqué la jambe, putain ! Je vais vous emmener à l'hôpital. Non, pas besoin. Je dis qu'il y en a besoin, au contraire. Laissez-moi vous aider. Non, j'ai pas besoin d'aide, je vous le répète. Je me permets d'insister. Non. Allez. Tout en douceur. C'est pas vrai, ça. C'est bon. Oh. Je suis avec vous. Vous et moi, on est dans la même galère. C'est pas une
caisse de rêve, ça? Si. Qu'est-ce que je disais? Ah, évitez ça, Ricky. C'est pas Richie. Vrai. Richie, ouais. Waouh. Vous êtes amoché, dis donc. Ouais. Tout ça, c'est de ma faute. Non, c'est pas votre faute. Quoi, vous m'en voulez pas? Non. Rien ne serait jamais arrivé si j'avais pas frappé à votre porte. Allez, ça va. J'aurais très bien pu dire non, ok? Vous faites quoi comme boulot, si vous permettez que je demande? Je suis dans l'immobilier. Enfin, je l'étais plutôt. C'est-à-dire, vous l'êtes plus? Ah. Oh. Et je suis persuadé que vous êtes pas mécontent, au final. On nous rabâche que le client est roi. Ce genre de conneries, on nous la fait pas, nous. C'est vrai que c'est du racket. Tout est du racket de nos jours. Je mets les gaz. Je croyais que vous aviez plus d'essence. Oh non, 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 non. J'ai dit que j'avais calé. Nuance. Ouais. Je vais pousser les rapports. Ce qu'il y a sous ce capot, mon bon ami, c'est un moteur V8 de 325 chevaux fabriqué dans ce pays. Le tout généreusement alimenté par un carburateur modèle 3 triple corps. Ce petit bijou-là, c'est une sex-machine. Waouh. Ouais, c'est carrément de la balle. Attention, devant, faites gaffe à la route. Il y a un camion devant. Il y a un camion, putain. Faites gaffe. Il a dit que les Américaines tenaient pas la route, hein. Qui a dit ça? Et ouais, qui a dit ça? Il y a un peu de jeu dans les freins quelquefois, mais ça fait de l'effet. Ah ouais? Tu t'es éclaté tout à l'heure. Oh, l'expression est un peu forte, mais oui, il faut croire que sans le savoir, j'avais vraiment besoin de me lâcher. Tu crois que je le savais pas? Ah oui? Joli petit lot. Oui, ouais, belle femme. Attends, tu peux me laisser passer quand même. La pauvre, elle a vraiment tout faux. Un peu hâtif comme jugement. Viens voir, ma belle. Je fais le plein. Sale petite pétasse. Elle vous a fait quoi, au juste? Mâcher du chewing-gum. C'est grossier devant les clients. Au fait, John, classe ta baraque. Merci. Je parie que t'as une belle petite femme. Et peut-être deux beaux enfants avec ça, hein? Alors, t'as des gosses? Ah, oui. Oui, j'ai une fille et un petit garçon. J'en ai pas, moi, John. Ça et les animaux, sans façon. D'où vous connaissez mon prénom? C'est toi qui me l'as dit. Ah. Il manquait dans juste 7 litres. Vous avez une pièce d'identité? Pourquoi faire? Oh, c'est classique, hein, c'est la procédure habituelle. Non, John, je gère le truc. C'est quoi le problème? Elle te revient pas à ma gueule? Non, sérieux. Je sais pas trop. Tu sais pas trop? Allez payer au guichet à l'intérieur, monsieur. Tu veux que je te dise? Toi et moi, on a énormément en commun. Tant que ça? Ouais, absolument. Ah oui? Tu verras, d'accord. Tu comprendras assez tôt. Ok. Tu verras ce que je veux dire. Ouais. Laisse-moi régler ça et je t'emmène direct à l'hôpital. Entendu. Est arrangé. Nickel Chrome. Ils ont offert l'essence pour rattraper l'affront de cette conne. L'hôpital, c'est dans l'autre sens. C'est pas si mal en point, tu l'as dit toi-même.
Vous voulez que je vous dise, laissez tomber, ramenez-moi juste à la maison. Laisse-moi te payer un verre, c'est le moins que je puisse faire pour me faire pardonner. Mais on est en pleine journée. À d'autres. T'as déjà commencé les hostilités, tu empestes, Scotch. C'est ce que je bois, moi aussi. C'est pas un verre de plus qui va te tuer. Sérieux, vous avez pas le droit de vous garer là. Je le prends, moi, le droit. C'est une place handicapée, il faut une carte. T'es blessé, il me semble. C'est pas fait pour ça, les places handicapées. Traîne un peu la guibole et ça le fera. Ok. Tu vas où, là? On se le fait pas, ce verre? Si t'as pas envie de boire un verre avec moi, tu le dis et c'est tout. John. Écoutez, c'est clair que des fois je me comporte de façon décalée et un peu bizarre. Mais le fait d'être original ne fait pas de moi un sale type pour autant. C'est pas du tout ce que je pense entre nous. Je veux juste rentrer chez moi, c'est tout. Ma femme m'attend. Ta femme? Cadeau. Merci. La chasse d'eau déconne encore. Et le plombier est en retard comme d'habitude. Ouais, je suis jamais contre une inspection de la tuyauterie. Ouais, mais je te conseille de radiner tes fesses de chauffeur livreur vite fait avant que je mouille ma culotte. Et c'est une taille extra large. Désolé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je pourrais emprunter votre téléphone, j'ai un appel à passer très court. Il y a un téléphone à pièce dans le bar. D'accord, mais c'est juste un appel local hein, pour prévenir ma femme. Il y a un téléphone dans le bar. Je vois. Dans ce cas, je vais prendre votre téléphone le moins cher. C'est le dernier. Carte ou espèce? Oh, écoutez, c'est bête, là. Je suis sorti sans portefeuille. Laissez-moi me servir de votre téléphone. Il y en a à pièce au bar. Entre nous, les téléphones à pièce, ça existe encore, ça? C'est pas mon problème. Ok, c'est bon. Je vais juste... Vous savez, Rhonda, pour quelqu'un qui travaille dans la communication, je trouve que vous manquez cruellement de courtoisie. Allez vous faire foutre. Ça le fait, ça, pour la courtoisie? Ah oui, d'accord. Achetez-vous une paire de couilles. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Bonjour, monsieur. J'aurais juste voulu me servir de votre téléphone, si c'était possible. C'est le chien. Oh, je rêve. Je suis désolé. John? Oh, salut. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis entré pour me servir du téléphone. T'es une vraie loque. Ouais, je suis pas au mieux de ma forme. Au fait, je voulais te dire... Ça ne dépendait pas que moi. Alors qui a tranché pour finir? Ça venait d'en haut. Réduction du personnel, mon pote. T'étais devenu un poids mort sur la fin. C'est ça, prends la tangente. Comme d'habitude. Mon ami, je savais qu'on se reverrait. Ah ouais? Si je dérange, dis-le, je veux pas m'imposer. Enfin, quelqu'un de poli. Tout le contraire de cette grosse vache de l'autre côté de la rue qui vend des téléphones. Ou encore de mon connard de patron qui vient de renverser sa bière sur moi. Mais ça va, sinon. Tu veux dire que le bâtard qui t'a lourdé est ici? Absolument. Ce bel enfoiré est ici. Il fait son show. Et qu'est-ce qu'on attend pour aller lui exploser la tête? J'aurais même pas dû en parler. Oubliez ça. Oui, j'aimerais appeler quelqu'un en PCV. Wow, je peux te filer une pièce. Non, c'est bon, je peux me débrouiller. Ça va aller. Oui, je m'appelle John Felton. Bonjour, vous êtes chez les Felton. Nous sommes absents, alors laissez un message. Faut jamais dire que t'es pas chez toi sur le message de ton répondeur. C'est vrai? C'est quoi votre intérêt à vouloir vous occuper de mes affaires? J'essaie juste de me rendre utile. Tu sais ce que les gens adorent? Les couillons. Eh ben, merci pour l'avertissement. Thank you.
Rien de spécial. J'allais partir. Allez, quoi, prends un verre. Non, je peux pas. Il faut que j'appelle Joanie pour qu'elle me ramène à la maison. Je te ramène, si tu veux. Il faut juste que j'aille pisser avant. On se retrouve dehors. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. De quoi? Aller pisser? Non, c'est pas de ça que je parle. John, je te ramène juste à la maison. Ok. Sûr que ça va aller? Ouais. Sûr? Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais juré m'être garée juste devant. Tu sais plus où tu t'es? Ah, elle est là. Attends, Tammy. T'es en état de conduire, là? Ah, j'ai un minuscule petit coup dans l'aile. Tu ferais mieux de prendre le volant. Merci. Tu sais que j'ai cassé avec Trevor pour être avec toi? Ouais, et il m'a viré. Et Axa, qui t'importe? Écoute, Tammy, notre relation, c'était une erreur. D'accord? Une erreur pour qui? Pour ma famille. Quelle connasse! Cette débile de grosse vache ne m'a pas laissé téléphoner non plus. Ma gueule lui revenait pas à ce qu'elle a dit. Tout ça en se baffrant de donuts sans interruption. À croire qu'on l'a enfermé toute son enfance dans une boutique de beignets. Ouais. Non seulement ces racailles de flics emmènent ma bagnole de rêve à la fourrière, mais en plus, je suis traité comme un criminel par une incompétente. Où sont passées les bonnes manières? Exactement. J'aurais dû t'écouter. Évidemment. J'aurais pas dû me garer sur ces places réservées. Tu m'avais prévenu, hein? Mais quelle caisse, pas vrai? Un pur fleuron du savoir-faire américain. C'est clair. T'as sa puissance, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Ça te remonte direct pile entre les jambes. Vroom. Ah, c'est non, tant que ça. Ouais, tant que ça, ma jolie. Pas vrai, John? Chouette voiture, hein. Ça faut l'avouer, ouais, c'est clair. John, tu le connais, ce gars-là? Oui, ça m'embête vraiment, vraiment, de devoir te demander ça, rapport aux embêtements que je t'ai causés, mais tu pourrais pas m'emmener à la fourrière? Non, là, je dis non, il faut que je rentre chez moi. Moi aussi, je dois rentrer, mon vieux. Je suis dans la même situation que toi, John. Je suis à la rue. Je sais même pas où elle est, moi, à la fourrière. Je sais où elle est, je te le jure, c'est pas loin. Parole de scout. Non, le souci, là, c'est que c'est pas ma voiture. Je suis censé la ramener chez elle. Oh, oh, oh. Je me présente, Richie. Sincèrement, j'apprécierais. Si John s'engage pour vous, évidemment, moi, je veux qu'il s'engage pour moi. Pas vrai, John? Oui, mais bon, ça vous fait vous pas deux heures tous les deux. On travaille ensemble. Des collègues de boulot? Oui, on travaille ensemble. Tu veux qu'on l'emmène? C'est bon, on vous emmène. Oui, faut se dépêcher. Ça sent la pluie. On arrive bientôt? Je crois, oui. Vous croyez? Et vous savez vraiment où c'est? Ouais. Non, parce qu'on roule depuis une demi-heure alors que c'était censé être pas loin. Tu roules trop lentement, mon vieux. Et sinon, tous les deux, c'est vrai ça? Vous étiez collègues de boulot? Oui, c'est vrai. John vous a dit qu'on l'a viré aujourd'hui? Lourdé, comme un chien. Je parie que t'as rien dit à ta femme, j'ai tort? Si, je l'ai dit à ma femme. Ça fait mal, la vérité. On vous dépose là, vous préférez marcher? C'est pas ta voiture. Et d'après ce que j'ai vu, c'est Tammy qui porte la culotte. Oh, 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 oh! Fais pas ton allumeuse, ma poule. Y a rien de pire que d'être obligé de se finir tout seul. Et un peu de respect, s'il vous plaît. Elle récolte ce qu'elle a semé, mon pote. Faut pas la plaindre.
Ça veut dire quoi exactement? Que quand on creuse un trou dans la vie d'un homme, faut pas s'étonner de tomber dedans. Tu lui as dit quoi, ton pote? Absolument rien. Dépose-le, vous êtes vraiment un connard. Et lui, là, à quoi il joue? Cherche pas à accélérer, fais-le bien chier. Putain, fermez-la, je vais me ranger sur le bas-côté. T'as pas de couilles, toi! Aucune fierté! Hé, hey, c'est moi qui suis au volant, ok? Comme tu veux, patron! L'enfoiré de Saras! Ce malade s'en prend à ma voiture, John! Je lui ai rien fait, je sais pas ce qu'il veut! Il doit bien y avoir une raison! Peut-être qu'il t'a vu quitter la ville! Et alors? Tu t'es frité comme il fallait avec le gros tas qui vend les téléphones, je crois! Hé, hey, tu veux te battre? Je t'attends, moi! Bien! Vous lui avez fait quoi, cette femme, on peut savoir? Je lui ai simplement dit ce que je pensais, exactement comme toi! Sauf que moi, j'ai pas remballé ma fierté! Qu'est-ce qu'il te prend? Relève sa plaque, il s'en tirera pas comme ça. Ah, enfin, ça c'est parlé. Allons massacrer ce fils de pute. C'est moi qui gère l'affaire. Ce dingue voulait nous tuer, John. Tu restes dans la voiture. Arrête, bouge pas, tu m'attends. Mais sans déconner, c'est quoi son problème? Hé, hey, vous auriez pu nous tuer. Quitter la route, on aurait pu rester inconscient. Arrêtez, arrêtez la voiture, hey, je veux descendre. C'est quoi ça? Calmez-vous, je cherche pas les problèmes, moi. Seulement, c'était super dangereux. Je t'ai vu te barrer après avoir tué ma copine. Non, non, il y a méprise. Vous faites erreur. Attention, écartez-vous. Oh putain. Ouh, en plein dans le mille, le gars. Allez, en route, hop. Il n'y a plus rien à faire pour ce type. On l'a tué. On n'a rien fait du tout, c'est vous qui l'avez tué. Je t'ai sauvé la vie. Toi et moi, on est tous les deux dans cette galère, John. Je te l'ai déjà dit, que ça te plaise ou pas? Tammy, donne-moi ton téléphone. Il est dans mon sac. Il est vivant, il respire encore. Vous lui devez quoi exactement? Il est pas dedans, où est son téléphone? Pourquoi je le saurais? Parce que le sac était sur la banquette arrière, évidemment. Il est où, bordel? Tu voudrais peut-être que j'avoue ça? Hey, ne prenez pas ma gentillesse pour de la faiblesse, ce serait une grave erreur. Et je devrais l'apprendre pourquoi alors? Je l'ai bien éclaté, pas vrai? Comme un sale putain de cafard de sa race. Allez, on se barre. En route! Il faut qu'on trouve un téléphone. Des 9 cadavres sur les bras et même pas un témoin. Quelqu'un a bien dû voir quelque chose, bordel. Je veux que vous me trouviez un témoin. Monsieur? J'ai un témoin. John, tourne-la. Pourquoi t'enfonces pas la lourde? Inutile de s'énerver. C'est toi qui as dit que ce gars avait besoin d'une ambulance. Hé! Hey, il s'agit d'une urgence. Un homme est grièvement blessé. On a besoin de votre téléphone. Y a quelqu'un dans cette maison? Hé hey, oh! Richie!
Il y a quelqu'un ? Tiens, il en reste la moitié, serre-toi. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle avoir soif. Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Que ce soit clair entre nous, je raconterai tout à la police. Vous êtes prévenus. Police, je vous appelle pour vous signaler un accident. Monsieur, je vais vous demander de quitter les lieux immédiatement. Écoutez, il faut envoyer une ambulance nationale 111 à 30 km à l'est de la ville. Quelqu'un agonise au milieu de la route. Un véhicule de patrouille est en route. Monsieur, quel est votre nom, s'il vous plaît ? Je m'appelle John Felton. Moi, je vais bien, mais il y a un homme qui est en train de mourir au milieu de la 111. Envoyez une ambulance immédiatement. Y'a quelqu'un dans cette maison? Y'a quelqu'un ici? T'es encore là? T'as appelé les flics? Elle va bien. De qui tu causes? Il y avait une femme au téléphone. Ça va, j'ai entendu une femme au téléphone. Il y a quelqu'un ici, je le sais. Est-ce qu'elle va bien? Entre nous, j'espère que ta baraque est autrement mieux tenue que ce trou à rats. Peut-être qu'un de ces quatre, tu pourrais m'inviter chez toi, éventuellement. Bien sûr, pourquoi pas. Ouais. Non, parce que tu penses bien que je me tiendrai comme il faut chez toi. Je peux peut-être venir dîner une fois que ce sera réglé. Histoire de rigoler. Oui, ce serait cool. Ce serait cool, Richie, bien sûr, oui, quand tu veux. Ne me prends pas de haut, j'aime pas non, ça, John. Je ne vous prends pas de haut. Je te conseille de me parler sincèrement. J'aime pas quand tu marmonnes des bouts de phrases sans queue ni tête. Je suis sincère. Je le pense. D'accord. Vraiment. Ok, on se détend. C'est bon, ça va aller. Tant mieux. Parce que je vais te prendre au mot. Oui. Sérieux. Vous serez le bienvenu, Richie. D'accord. Mais s'il vous plaît, t'arrives trop tard pour l'aider maintenant. Toute ta vie, t'as fui devant les problèmes. Une fois de plus, franchement, ça change quoi? Pourquoi vous m'avez dit qu'il n'y avait personne? Tu vas pas me dire que t'as cru à ça? Il faut te laisser guider par ton intuition, John. Sinon, t'y arriveras jamais. C'est à toi de voir. Qu'est-ce qui se passe?
Ça va aller. On va se tirer de ce guépier, d'accord? Surtout, me lâche pas, d'accord? T'entends? J'ai un fusil et je sais m'en servir! Attends. Non, non, ne fais pas ça. Pose ce truc-là, t'entends? On veut juste aider un blessé. Où est ma grand-mère? Elle... Richie... Non. Écoute, il elle faut... Est pas là. Reculez, putain! Elle m'a demandé de te faire une commission. Richie, elle voulait que tu saches quelque chose d'important. Tu vois ce champ en face? Je suis sympa, je vais te laisser une chance de t'enfuir. Mais ce que ta grand-mère voulait que tu saches, c'est que je serai pas loin derrière toi. Fonce! Richie, s'il vous plaît, arrêtez. C'est bon, ça a assez duré. On joue plus maintenant, je vous en prie. D'où tu tiens cette impression? S'il vous plaît, je vous le demande humblement, c'est tout. Très humblement. D'accord? Je suis désolé. S'il vous plaît, laissez... On s'en va, John. Il nous fera rien. Chut. Ah, tu crois ça? J'ai pas peur de vous. Tu devrais pourtant. Oh, c'est pas vrai! Tammy, réponds-moi. Tammy? Tammy? Oh, je parie qu'elle te fait des trucs que ta femme te ferait jamais. On n'a pas couché ensemble. C'est quel genre, au fait, ta femme? Si tu me dis pas, j'irai voir par moi-même. Ma femme, c'est la prunelle de mes yeux. Ben voyons. Mais je suis sûr que de temps en temps, t'as envie de la tuer, pas vrai? Non. Mais je tuerai le premier qui s'en prendrait à elle. Je conçois ça. Ce que je déteste le plus au monde, ce sont les choses qui me rappellent mes propres défauts. Je déteste les mauvaises manières, je déteste les ploucs qui n'ont même pas un minimum de savoir-vivre. Des hypocrites et des couilles molles, c'est tout ce que c'est. Si tu tentes quoi que ce soit, je la tabasserai tellement que sa cervelle lui pissera par les yeux, est-ce que c'est clair? Pourquoi vous ne nous relâchez pas plutôt? Je vous jure qu'on ne dira rien du tout, ce sera comme si rien ne s'était passé. Mais ça continue, mon petit John. Ça continue pile en ce moment. Cherche pas à comprendre comment ça fonctionne. Je suis du genre original. De la ville, d'accord? Non, non, je veux pas te quitter. Écoute, t'iras beaucoup plus vite sans moi, ok? C'est pas ce que je voulais dire. Allez, vite, va-t'en. Fonce! Chouette quartier, il n'y a pas longtemps. Le chien a l'air gentil. Les riches se comportent bizarrement ces derniers temps. À croire qu'ils n'ont jamais été fauchés. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur ce gars? Ce mec est le citoyen modèle. Un bon boulot, une femme, deux gosses. Il est agent immobilier. Le bon père de famille.
Ouais, ben si tous les pères de famille étaient au-dessus de tout soupçon, ça se saurait. C'est clair. Je m'appelle John Felton. Moi, je vais bien, mais il y a un homme qui est en train de mourir au milieu de la 111. Envoyez une ambulance immédiatement. Est-ce que c'est bien sa voix ? Oui. Ça vous gêne si je fume ? Ça me gêne, oui. S'il devait partir, il irait où, à votre avis ? Est-ce qu'il pourrait se tourner vers quelqu'un d'autre que vous ? Une autre femme ? Je suis bien obligé de vous le demander. Je crois pas, non. En tout cas, plus maintenant. Un nom, éventuellement ? Un numéro de téléphone ? Non, désolé. Il a quitté le bar en compagnie d'une jeune femme. Une brunette. Belle poitrine. Ça vous rappelle quelqu'un ? Si mon mari était bien dans un bar en compagnie d'une salope avec des gros seins, pourquoi chercher à m'appeler en PCV, alors, pour m'annoncer la bonne nouvelle ? Est-ce que ça lui arrive souvent de boire dans la journée ? Non, pas souvent. Non. Si vous pouviez faire attention, merci. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait pu passer le prendre ? Nos amis ont quitté la région. Licenciés, délocalisés ou juste partis voir ailleurs. Les temps sont durs, hein. Mm-hmm. Les gens perdent tout ce qu'ils ont. Ils luttent comme ils peuvent pour s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on est unis et solidaires avec John. Si personne n'est passé le prendre, comment ça se fait que sa voiture est devant ? Que son portefeuille, son portable et ses clés sont sur la console devant la porte ? Et qu'on a retrouvé les éclats d'un verre de whisky dans la cuisine ? Vous vous êtes disputé ? Il était déçu de ne pas avoir conclu une vente quasi assurée. Est-ce qu'il vous cogne dessus ? Quand il est déçu, comme ça ? Non. Vous croyez vraiment qu'il a pu tuer tous ces pauvres gens ? On l'envisage. Vous voulez passer la nuit ailleurs ? Nous avons une très belle maison. Elle cache quelque chose d'après vous ? C'est important pour les gens de maintenir une façade. Et si elle savait rien ? Les gens, ils pètent un câble, des fois. Comme ça, sans raison. Tu prends un type ordinaire, sans histoire, et tu le dépouilles de tout ce qu'il a de plus cher au monde. Là, il va péter un câble. Zéro, on dirait. Sauf que t'as l'air de moins en moins frais, si jamais je peux me permettre. J'ai une sorte de sixième sens, vois-tu ? C'est un don de Dieu. Je vois pas comment l'expliquer autrement. Je suis capable de sentir à 10 mètres les gens mal intentionnés qui essaient de s'en prendre à moi. Je ne vous veux aucun mal, moi, je vous jure. Non, parce que sinon, il vaut mieux que tu saches. Tu n'as rien vu du tout encore. J'ai vu ce que vous avez fait. Je sais que vous avez tué ces pauvres gens. Le monde est sans pitié, John. Le mal est fait quand j'arrive. Moi, je me contente de tuer des épaves qui sont déjà mortes. Allez, debout. Lève-toi. Et pas dans tourloupe cette fois, compris ? Sinon, je te farcis la tête de pruneau.
Bon, écoute, les flics ont barré la route plus haut. Tu vas te faufiler tranquille, comme si t'étais l'un d'eux. Allez, prends le volant. Retourne à sa baraque. Cuisine sa femme. J'essaie de savoir quoi, exactement. Tu me l'as fait craquer. Contactez le dispatch Alpha. Jamais ça marchera. Mais si. Ça aime se faire avoir, ce genre de personne, c'est une seconde nature. Une fois qu'on le sait, on obtient d'eux ce qu'on veut après. Quel genre de personne? Les moutons, John. Les moutons. Enclenche la sirène. Il y a un barrage. Fais-leur un petit signe de main. Fais-leur coucou. Obéis. Périsette. Un bon sourire, idiot. C'est qu'une bande de trouillards qui se cachent derrière leurs uniformes, leurs plaques et leurs flingues. On les aura pas deux fois. Non, peut-être pas, non? Nous sommes marqués, on ne pourra pas fuir éternellement. T'es prêt à te battre? J'ai rien fait de mal. Je te l'ai dit, on est ensemble dans cette galère. Que ça te chante ou non? C'est fini pour moi, j'arrête les frais. Arrête la voiture! Arrête cette putain de voiture! Tu crois que tu vaux mieux que moi, c'est ça? Y'a que moi qui ai encore un minimum d'espoir en toi, mon petit pote. Ah ouais? Alors pourquoi est-ce que vous me menacez à bout portant? Prends modèle sur moi! Sois un homme, bordel! John, qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? C'est si dur que ça de dire ce que tu veux. Dis-le, quoi. Je veux que vous me lâchiez pour de bon. C'est clair. C'est tout. Je veux descendre de cette voiture. Alors vas-y. Dégage. Et vous me tirerez dans le dos. J'aurais pu te tuer une centaine de fois aujourd'hui. Si tu veux continuer à te mentir, reprends le cours de ta vie. Mais le monde est mauvais, John. Il est pourri jusqu'à l'os. C'est la vérité. C'est fini. C'est toi qui vois. Dur de décider. Dernier truc, tu m'as bien invité pour rencontrer ta femme. Je dirai à Joanie que tu la salues. Comment vous connaissez le prénom de ma femme? J'espère qu'elle cuisine bien. J'adore ça, moi, un bon petit repas fait maison. Stop! Arrête, John. Junior. C'est pas le moment. Vous tenez vraiment à la présence des enfants? Il y aurait une contre-indication?
Vous savez que votre mari a été licencié aujourd'hui? Non, je l'ignorais. Mais vous saviez qu'il avait une liaison? J'ai déjà répondu, il me semble. Vous savez également qu'une assurance a été souscrite sur la vie de votre époux? Et une sur la mienne en même temps. Madame, ça vous est arrivé de souhaiter sa mort? Je te bouge les oreilles, 10 petites secondes. De quel droit est-ce que vous vous invitez dans ma maison pour manquer de respect à ma famille? Je vais vous faire redescendre sur terre si vite que votre petite culotte vous servira de col roulé. Et si vous croyez que je vais fondre en larmes et vous révéler dans la foulée tous mes petits secrets inavoués, vous êtes à l'évidence trop bête pour comprendre quoi que ce soit au fonctionnement de ma famille. Et un coup d'œil suffit pour se rendre compte que vous ignorez absolument tout de ce qu'il faut sacrifier pour être une bonne épouse. C'est vrai. J'en sais rien. Je vous défends. Pas d'ironie avec moi. J'aurais collé ma main sur ce sourire suffisant avant même que vous puissiez lever votre gros cul. Je me demande comment quelqu'un d'aussi attardé a pu se voir confier une plaque. Mais à moins d'un mandat d'arrêt contre moi, je vous invite à dégager avec les autres demeurés. Et ramenez-nous John sain et sauf. Et n'hésitez pas, prenez un biscuit sur la console en sortant. Ils sont sans matière grasse. Simple curiosité. Pourquoi vous avez laissé votre fille écouter et pas votre garçon? Je veux qu'elle sache se défendre et que lui apprenne à bien parler aux dames. Connerie. Excusez-moi. Tuer ma famille, vous comprenez ça? Edgy? Oui. Le black qui porte un costume et un chapeau noir, qui conduit une voiture de collection en banlieue et que personne d'autre n'a vu? Vous avez pas l'air de saisir. Il faut envoyer des hommes chez moi et évacuer ma famille de toute urgence. Mon adjoint revient juste de chez vous. Votre femme ne veut pas partir. Monsieur, elle n'a aucune idée à l'heure qu'il est du danger qu'elle court. C'est quoi le danger? Ce dingue. Il peut tuer n'importe qui. C'est clair. Et pourquoi il vous a épargné, vous? J'en sais rien du tout. Il attend quelque chose de moi, on dirait. Je sais pas quoi. Il se comportait comme s'il était mon ami. Comme si? Écoutez, je ferai tout ce que vous voulez, vous entendez? Mais envoyez des hommes chez moi et emmenez ma famille ailleurs. Dites-moi la vérité. Putain de... Mais c'est la pure vérité que je vous raconte! Eh bien, personnellement, j'y crois pas. Alors, laissez-moi parler à quelqu'un d'autre, parce que vous comprenez que dalle à l'évidence. Les témoins vous ont identifié, vous et vous seul. Je vous ai dit qu'ils me suivaient. Votre maison est en passe d'être saisie. Votre compte en banque est vide, vos actifs ne valent plus rien. Vous devez les arriérer sur toutes vos cartes de crédit, et aujourd'hui, vous perdez votre boulot. Ça ressemble à quoi, ce tableau, pour vous? Un manque de chance? Ça ressemble à un mobile pour moi. Je me mets à votre place une minute. Attention, je dis pas que je vous excuse, mais...
Je comprends qu'on puisse baisser les bras, maman. Moi, j'ai encore la foi. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Monsieur, vous croyez sincèrement que j'aurais pu inventer un truc pareil? Et vous croyez que j'ai tué tous ces pauvres gens parce que j'étais tête? Parce que j'ai perdu mon boulot de merde? Qu'est-ce que vous attendez pour retrouver Tammy? Tournez-vous à gauche. C'est lui. J'en suis sûr et certain. Je vais toucher quelques billets pour ça, pas vrai? Revenez de face. Je suis vachement près d'eux, dites donc. Vous êtes vraiment sûr qu'ils me voient pas? Faites-le sortir. Oui, monsieur. On a terminé, merci beaucoup. Elle s'est pas laissée faire, hein? Vous saviez qu'elle allait se soulager sur moi? Je savais également que tu ramènerais quelque chose. Elle voit quelqu'un d'autre. L'entrepreneur qui bosse chez eux. Ils font faire une piscine. Le pisciniste. Mm-hmm. Il est en train de se faire dessus en cellule. Il a pendu quelque chose d'intéressant, ce monsieur? Il moufte pas. À se demander de quoi il n'est pas coupable. Une poule à un moment, il faut que ça glousse. Continue de le plumer. Ok. Vous croyez qu'il savait que sa femme se t'appelle pisciniste? Pas de bol. Ça a l'air d'être un type gentil pourtant. C'est rare les flics colorés dans le coin. C'est étonnant. Café? Vous avez faim? Je vais prendre les côtes de porc, s'il vous plaît. Ça marche. Je vous mets des faillots ou des frites avec? Les deux, ce serait mieux. Bien paner les côtes de porc. Vous pourriez me rajouter de la sauce comme ça? Bien sûr, monsieur. Vous avez un problème? Tu vois cet uniforme? Respect. Cet uniforme, où je serai obligé de t'ôter un truc précieux que je serai incapable de te rendre. Est-ce que c'est clair? Et votre équipier, il veut commander quelque chose? C'est la maison qui régale. Approche, tu veux? Viens plus près, je te dis. Encore, chérie. Suspect abattu, je répète, suspect abattu. Envoyez renfort et ambulance au restaurant chez Orki. Tammy Strutter. Tammy? Oui. Elle corrobore sa version, Richie et tout le reste. Viens avec moi. À quoi est-ce que tu joues, bordel de merde? Le tueur, c'est pas ce type. Tout ce qu'il nous a raconté, elle le confirme intégralement. C'est pas pour ça que c'est vrai, nom de Dieu. Un agent vient de tuer le suspect. Il signale aussi trois autres meurtres. Il correspond au profil? Un grand noir, plutôt mince. C'est comme ça, en tout cas, que l'a décrit l'agent à la radio. Tu files sur les lieux, moi je me charge d'eux.
qu'elle fait là, celle-là? J'essaie seulement d'aider. Oh, je crois que vous avez fait déjà suffisamment pour cette famille. On a amené votre femme comme vous nous l'aviez demandé. Je suis désolé. Un agent aurait abattu Richie il y a tout juste quelques minutes. Pour plus de sûreté, nous allons poster quelques hommes devant chez vous pendant quelques jours, le temps de terminer notre enquête. Histoire de m'avoir à l'œil, j'imagine. Pour assurer la protection de votre famille, monsieur. C'est peut-être vrai, finalement, ce qu'il disait à propos de vous. Qu'est-ce qu'il disait? On peut rentrer maintenant. Oui, madame. On y va. Fillette, approche. Il est à toi, ce chien? Montre-le-moi. Approche encore, chérie. Encore? C'est un bon chien? Il mord des fois. C'est un réflexe de défense naturelle. T'es bon pour te les geler dehors? Non, non, je reste pas. Je dois dire un truc à Madame Felton. Vous avez fini, les enfants? Hein? Arrête, Sam. N'embête pas ton frère, s'il te plaît. Vous montez dans vos chambres, il est tard. Je viendrai vous border. Il y a un souci? Vous devez être Giovanni. Oui. Entrez, vous allez être trempés. Et qui c'est ça? Nos deux enfants. Voici Sam et son frère John Junior. Dites bonjour à monsieur l'agent. Un prénom de garçon pour une fille? Oui. J'aimerais vous parler une minute. D'accord. Entrez. Je vous en prie. Où est l'agent qui nous a appelés? C'est un vrai flic, celui-là. Comment tu le sais? Venez. C'est pas le fameux Richie. Médaille de l'école de police. Promotion 68. J'écoute. Nos gars en faction devant chez eux ne répondent pas. Scotch glace, c'est ce que John boit également. Tenez. Allez. Au lit, les enfants. Montez.
Hey, votre père est un héros. C'est pas chouette, ça? Un autre? Je croyais que c'était pas autorisé en service. Je dirai rien, rassurez-vous. Vous cuisinez quelque chose? Ça sent bon. J'ai mis des côtes de porc au four. John adore ça. Un bon repas lui fera du bien. John vous a expliqué ce qui s'était passé? Non, non, mais en même temps, on parle que de ça aux infos, alors. Il peut peut-être monnayer son histoire s'il s'y prend bien. C'est sûr, parce que les gens raffolent du sensationnel. Oh, j'aurais horreur de profiter du malheur de pauvres gens, alors non. C'est pour ça que je suis là, justement. Vous me mettez mal à l'aise. Agent Stevens. Je vais aller surveiller la cuisson. Vous voulez bien m'excuser? J'en ai pour une minute. Ça va? Refais jamais ça! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci. Où sont les enfants? Ils sont au lit. Monte t'assurer qu'ils vont bien. Va voir dans leur chambre! De quoi tu t'inquiètes, là? J'étais avec tes gamins il y a une seconde. Johnny? Je les ai bordés comme il faut. De vrais petits anges. Et tu en as deux en plus. Tu es vraiment un homme chanceux. Ils vont bien. Reste là-haut. Juste pour info, il y a des policiers dehors. Est-ce qu'on est bien d'accord? Tu me sous-estimes encore malgré ce qu'on a vécu ensemble. C'est n'importe quoi, franchement. C'est ça. La question à te poser, John, c'est est-ce que tu me détestes plus que tu n'aimes ta famille? Parce que pendant le temps qu'il te faudra pour aller chercher de l'aide, je pourrais très bien décimer les tiens. Qu'est-ce que vous attendez de nous, exactement? Tu m'as invité à dîner pour me présenter ta femme. Eh ben, je suis là. Alors reçois-moi comme il se doit. Je vous laisserai pas une seconde leur faire le moindre mal. Est-ce que c'est clair? Alors il va falloir me tuer. N'essaie pas de m'imposer tes conditions. Je fais ce que je veux. Je te donne le choix. C'est un luxe que j'offre à personne d'autre.
y compris à ta femme et tes enfants. Je t'avais demandé de rester en haut. Il se passe quoi ici exactement? Hein? C'est pour ce soir, c'est côte de porte, Joanie, je meurs de faim. Je vous demanderai de changer très vite de ton. Pareil pour toi, Trésor. Sortez de ma maison, maintenant. John, dis à ce monsieur de sortir de chez nous et de nous laisser tranquille. John. C'est notre invité, n'est-ce pas? Notre invité. On va vous traiter en tant que tel. Ça vous va? Un autre? Fais ce qu'il demande. C'est John qui cuisine la plupart du temps. Il aime bien ça. Et il vaut mieux, parce que ça, c'est ni fait, ni à refaire. À faire. Ni fait, ni à faire. Vous pouvez m'aiguiser cette lame, ça manque de tranchant. Les couteaux coupent suffisamment. Pas le mien. Où tu m'as vu pour la première fois, John? Sur le pas de la porte. Non, dans ton rétroviseur. Je suis passé à fond la caisse. T'étais garé dans l'allée, là, en train de t'apitoyer sur ta vie misérable. Tu causais à ce type-là qui bosse... Le gars, là, qui bosse dans ton jardin. Comment je sais ça, à ton avis? J'imagine que vous avez dû me suivre. Ah, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je t'aurais suivi? Prime. Allez, assemble les pièces du puzzle. Assemble les pièces. Pourquoi j'ai toqué à ta porte aujourd'hui? Ah, vous tombez à point. Joanie, remonte tout de suite. Réveille les enfants et va-t'en avec eux. Ou mieux encore. Assieds-toi et écoute ce que j'ai à dire, ok? Alors, John, pourquoi est-ce que j'ai toqué à ta porte aujourd'hui? Joanie, est-ce que tu veux répondre? Pourquoi j'ai toqué chez vous aujourd'hui? Ou pourquoi la porte de derrière était étrangement grande ouverte? Ou pourquoi tu as pris les enfants et tu es parti quand il est rentré à la maison? De quoi est-ce qu'il parle, John? Vous me faites gerber, tous les deux. Vous jouez les saints et ce serait moi le méchant. Comme si c'était moi qui trompais mon monde. Dis-lui pourquoi, sale pute! C'est la première fois que je vous vois de toute ma vie. Ouais, c'est pas faux. T'as envoyé quelqu'un pour me rencontrer. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? J'en ai aucune idée. Ta femme ne t'aime pas, mon petit John. C'est une menteuse. Elle se tape un autre mec et elle veut t'envoyer 6 pieds sous terre. Il délire. Elle m'a engagé pour te descendre. J'étais censé te conduire en race campagne et balancer ton corps dans un fossé. Mais je l'ai pas fait, parce que j'ai vu quelque chose dans tes yeux, John. Tu peux quand même pas croire ce type, c'est pas possible. Elle n'a même pas le courage de te tuer elle-même. Il ment, ne l'écoute pas. Je suis pas un menteur. Je sais absolument John me connaît assez pour le savoir. Si, vous êtes un menteur. Je dis les choses comme je les vois, et ce que j'ai vu, c'est la vérité. Je t'aime, mon amour. Montre lui qui tu es, John. Je t'aime, je t'aime. Ouais, crabouille-lui sa saleté de gorge. Laisse-toi guider par ton instinct, comme moi. Souviens-toi, elle n'a aucune pitié. Ne l'écoute pas. N'écoute pas cette salope. Tu l'as. Tu cette pute. Tu l'as. Attends. Arrête. Arrête, s'il te plaît. J'ai pas l'intention de... Donne-moi ce club. Donne-moi ce club. Donne-le-moi, je te dis, donne-le-moi. Pose-le, enfoiré. Va-t'en, Joanie, va-t'en.
Monsieur Felton, nous allons emmener votre femme au poste pour l'interroger. Sur la base de quoi ? Sur la base de votre témoignage, pour commencer. Écoutez, je vous ai raconté ce qu'il avait dit, et j'ai pas dit que moi j'y croyais. Et est-ce qu'éventuellement vous auriez une autre explication ? On parle de ma femme. Un truc que j'aurais jamais pu faire. Joli carton. Le tabac, ça détruit les spermatozoïdes. T'as faim ? Ouais. Allons nous gaver de graisse. Tout va redevenir comme avant maintenant.